Yo la famille, sur le canal vidéo, j'espère que vous allez tous très bien la famille. En tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle dégustation. Une dégustation très spéciale parce que là la famille, je me suis fait livrer un hamburger. Tu vois, c'est pas les burgers des snacks, steak surgelé, frites surgelé. Là la tête d'homme, je me suis fait livrer un burger qui coûte 9,50€, qui est 100% halal. Et c'est un burger fait maison de A à Z la famille. Donc regardez, je vous montrer cette merveille. Oh là là. Oh, rien de plus sans l'odeur la famille. Oh, c'est une pure tuerie. Donc déjà dans ce snack la famille, il y a des boissons qu'on trouve même pas dans tous les snacks. Regardez, la marque de la boisson, elle s'appelle Caribibos. Caribibos, je sais même pas c'est quoi, c'est Gougovan. Je connais même pas les goûts. Wondon Adim, je crois que c'est une boisson de la marque Pirates des Caraïbes, parce qu'on voit les Caraïbes, etc. Ensuite la famille, nous avons tout simplement les magnifiques frites maison. Donc regardez la famille, ça c'est des frites maison hein. Donc voilà, franchement ils en ont mis beaucoup hein. D'habitude quand il y a des frites maison, tu vois, ils en mettent pas beaucoup parce que c'est dur à faire les frites maison. Il faut bien raser à la tondeuse les pommes de terre pour que ça fasse des bonnes frites maison. Attendez, je sens, là ça se voit que c'est des frites maison faites à la Maison Blanche. Ouais, ça se voit que c'est des frites maison faites à la Maison Blanche. Là nous avons les sauces et là nous avons l'incontournable burger. Donc franchement il a l'air d'être super bien garni la famille. Oh, il est bien emballé, ça se voit qu'ils l'ont emballé comme s'ils allaient offrir un cadeau à leur femme. Ouais ouais, non, là on est sur du niveau la famille, on est sur du niveau. Donc on va regarder ce burger. Non, regardez ce pain maison. Oh, franchement là ce burger là il est magnifique. Pain maison, steak maison, frites maison. Là on est vraiment sur de la haut de gamme, sur de la bonne qualité. Donc là la famille, dans un premier temps ce que je vous propose c'est qu'on va tout simplement déguster ces bonnes frites maison. Regardez la tête de Wam. C'est quoi ces frites? On dirait des combatteurs du UFC, on dirait Mike Tyson. Regardez comment elle est stock la frite. En plus elle fait des mouvements de vagues comme ça. Oh là là, ça fait plaisir. Donc c'est la première fois que je vais déguster des frites maison dans ce restaurant là. Donc regardez, on voit bien la chair de la bonne pomme de terre avec les bonnes sauces hein. J'ai mis à côté de la sauce Biggie mayonnaise. C'est parti la famille. Oh. La tête d'homme, tu ressens vraiment les frites, la vie de ma mère la famille. Voilà, c'est une dinguerie. Parce que vous voyez, moi d'habitude je vais toujours dans les petits grecs d'à côté qui mettent des frites surgelées chez Lidl ou à la Leader Price. Là on sent vraiment bien les pommes de terre. Même si j'ai payé 9,50€, la tête d'homme, je préfère payer 9,50€ et avoir de la qualité dans ce que je mange que payer 6,50€ et avoir des frites. Mon frère, elles viennent du Pakistan, voilà, je sais pas d'où. Non, la tête d'homme, oh la famille, regardez. Mmh. Non, les frites, elles sont vraiment bonnes. On sent vraiment bien que c'est des frites maison. En fait, on sent bien les pommes de terre. C'est juste vraiment super bon. Et en plus, la famille, comme je vous l'ai dit, c'est des frites qui sont vraiment bien grosses, bien garnies en pommes de terre. Il y a vraiment pas d'ordinaire. Mmh. Vraiment super bonne les frites maison. Oh, la tête d'homme, j'en mangerai presque tous les jours. Wallah al-Azim, c'est tellement bon. Et maintenant, on va s'attaquer au magnifique burger 100% maison. Donc, aussi à l'intérieur, la famille. Regardez, regardez l'épaisseur du steak. La tête d'homme. On dirait un bâtiment, on dirait une cité, la vie de ma mère. Attendez, je regarde s'il y a des habitants. Wesh les mecs, vous êtes là? Ouais. Non, la tête d'homme, c'est un délire. Regardez la tête du steak. En plus, c'est un steak maison 100% bouché avec tomate. Salade, tomate, oignon la famille. Et spécialité, il y a du fromage de raclette à l'intérieur. Oh alors ça va être un pur régal. Donc c'est parti, on va déguster ce magnifique burger. En plus esthétiquement je le trouve super beau. Il devrait peut-être devenir mannequin chez Gucci. Tu vois, on sait jamais. Donc c'est parti la famille. Non. Ouais, la famille, je suis désolé mais c'est super bon. Regardez-moi ça. Hmm. Le steak il est super épais la famille. On sent bien le goût de la viande, il est bien ressenti. Il n'est pas caché comme dans les grecs où tu manges des steaks surgelés. Hmm. Franchement c'est super bon. Aussi on sent bien la sauce, ils ont une sauce spéciale burger, c'est magnifique. Oh là là, on va retaper un deuxième croc immédiatement la famille. Là, on est sur du vrai burger. Là, on ressent la qualité des produits. Là, ouais. On ressent vraiment la qualité du produit, la famille. Franchement, c'est incroyable. On sent bien la sauce, la salade, le pain aussi. Je voulais vous donner mon ressenti. Le pain, il est extrêmement moelleux. Oh là là. C'est un pain au grain de sésame. Enfin, je sais pas, il y a des grains dessus. Mais franchement, ça se voit que c'est un pain fait maison.
Franchement, ça fait plaisir. D'habitude, je goûtais tout le temps des tacos, des trucs. Vraiment, c'était tout industriel. Là, on a du 100% maison. Oh. En plus, là, t'as l'impression que tu vois, ça cale bien. C'est pas comme les petits burgers là, les McDo là, les petits burgers à 2 euros. Là, ça cale bien la famille. C'est bien consistant. On sent bien les ingrédients. C'est super bon. On sent le steak, la salade, les oignons, la sauce fromagère, le fromage de raclette. Et regardez, hein, toute la sauce qu'ils ont mis, c'est magnifique. Et là, la famille, ce que je vous propose, c'est qu'on va goûter la boisson des Caraïbes. Donc voilà, des pirates des Caraïbes. Donc c'est Gouguave. Dites-moi si vous connaissez cette boisson. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir. Et je l'ai jamais goûté. Mais bon, c'est l'occasion pour moi de la tester là. Donc c'est parti. On va goûter cette magnifique boisson des Caraïbes. Donc c'est la boisson Gouave. C'est parti. Oh, la famille, elle est magnifique. Oh, la famille, elle est magnifique, cette boisson. Oh là là. Elle est vraiment bien sucrée. En fait, c'est une boisson aux fruits exotiques. On ressent l'exotisme. On se croirait, comme je vous le dis souvent, à Hawaï, au milieu de la plage, dans un hôtel 5 étoiles. Attendez, je vais regoûter, la famille. Oh. Franchement, la boisson, elle a vraiment énormément de goût. Elle est super bonne. Et là, on va retaper les frites, on va voir si les frites elles sont lassantes ou pas. Les frites elles sont aussi bonnes, la famille. Wallah l'adim, c'est une dinguerie ces frites. On sent bien les pommes de terre, on sent que tout est bon dans les frites. C'est vraiment super bon, la famille. Oh. Et là, on va retaper un autre croc dans le burger pour voir aussi la lassance. Donc, franchement, le steak il est super bon, consistant. On va reconfirmer ça, la famille. Regardez tellement ils sont généreux, la sauce qui coule, la famille. Non, c'est le meilleur burger que je mange, la famille. Là, je vous promets, Wonderland. Oh. C'est plus un burger, c'est une merveille, c'est une merveille. La tête d'homme, il mériterait d'être dans le livre des records, la tête d'homme. C'est une dinguerie, la famille. Regardez toute la sauce qui coule, toute la sauce qui tombe, on dirait une fontaine. Wonderland, c'est une fontaine. C'est un délire. Et là, je voulais faire un test aussi. On va mettre des frites. Frites maison plus dans l'hamburger. Donc, c'est parti. C'est magnifique, la famille. Double saveur. On ressent les frites maison, plus le steak maison, le pain maison. On dirait que je mange un appartement ou une maison, la maison blanche. On dirait que je mange la maison blanche, la famille. Franchement, c'est super bon, la famille. Wallah, parfait. Donc, sur ce, la famille, bah ça va être la fin de la vidéo, en sachant que j'ai tout dégusté. Franchement, si je devais donner une note sur tout, boisson, canette et tout, je donnerais un magnifique 8 sur 10, parce que franchement, c'est super bon. C'est la première fois que je mange des produits frais, qui viennent de la maison, tu vois, pas des produits industriels qui viennent de Leader Price ou la Lidl. Franchement, c'est super bon, tout est bon, boisson, burger, frites maison, c'est magnifique. Donc sur ce, la famille, bah ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et nous, la famille, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.